Ça raconte quoi? Tu me fais le speech? Le pitch. C'est l'histoire d'un jeune homme mélancolique dans un monde hostile qui va se suicider. C'est pour toi. Jérémy, j'ai voulu qu'on se parle pour te dire qu'on travaillera finalement pas ensemble sur le film. J'ai changé d'avis. J'ai choisi Ramzy, voilà. Pourquoi on veut pas de moi? Pour ces cons-là, tu es trop. Trop? Albert, tu rejoins chez sa mère? Bah non, on est en froid. T'as regardé dans mon téléphone? J'aurais une raison de le faire. Monsieur, le cabinet est fermé. C'est qui? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis son mari, monsieur. On n'est pas mariés, tu sors d'ici. Tu sortes! Soigne ta jalousie. Qu'est-ce qui va pas avec moi? Si t'avais été acteur dans les années 60, t'aurais pas arrêté d'enchaîner les films. Télétransporte-moi. Ça va, mon chiffon? Ça va, j'arrive demain. Je descends pour y voir plus clair. Mais qu'est-ce que t'as, mon petit chose? T'as l'air tout chose. Pourquoi tu me parles jamais de tes amours? Plus je l'aime, plus j'ai le monstre vert aux yeux rouges qui grandit en moi. Ça va aller, mon chiffon. Ah, ne retiens pas tes ailes, marche. T'aimes bien quoi, cher mec? C'est une vraie question. Jérémy, qu'est-ce que tu fais? Je prends mon texte pour l'audition. Ne cherche pas à comprendre. Merci pour tous mes mères. Vos sœurs. Parfois, je me sens comme un trognon sur le compost qui attend juste d'être biodégradé. Mais parfois, quand même, qu'est-ce que tu peux dire comme connerie? Mais tu fais de la. Ton père et moi, on n'a pas eu de chance. Tu pourras. Mais je t'ai eu. Ça, c'est énorme. Alors là, je suis heureux. Avec toi.